toutes les collectivités territoriales en Europe doivent participer à ce débat et dire que les orientations que nous présentons aujourd'hui ne sont pas, selon nous, les bonnes. Je crois que l'Europe a besoin que nos concitoyens voient des réalisations concrètes sur le terrain grâce à l'Europe. À quoi servent les fonds de cohésion? C'est vraiment à réduire ces disparités en investissant dans l'économie réelle. Les fonds de cohésion plus les fonds agricoles, c'est pour nous, région Occitanie, c'est à peu près à 3 milliards d'euros. Ce qui n'est pas mince, hein, sachant qu'un budget, 3 milliards d'euros sur la période, sachant qu'un budget de régional, c'est aux alentours de 3,3 milliards d'euros. On a trois actions qui sont financées grâce au FSE. Ça nous permet de proposer des dispositifs qui sont adaptés aux publics les plus en difficulté. Et bon, ça, c'est la vocation première de la régie de quartier. Donc c'est vrai que sans le FSE, on n'aurait pas pu, je pense, enfin, en tout cas, développer ce dispositif comme on l'a fait aujourd'hui. Le leader, hein, sur notre territoire, c'est 2 millions d'euros, 1,8 million. Ce que l'on peut voir, c'est le côté laboratoire de LEADER. Sur notre territoire, on a fait une étude préalable financée par LEADER. On sait très bien que derrière, ça va mobiliser des crédits du FEDER. Nous avons développé un programme ambitieux, mais il est ambitieux grâce au FEDER, de 65 millions d'euros d'investissement sur 8-10 ans. Et qui couvre finalement toutes ces résidences que j'évoquais, 2000 logements, et qui n'auraient jamais pu être possible de mettre en œuvre sans les fonds FEDER. On a un texte général qui fixe le budget pluriannuel de l'Union européenne pour la même période qui s'ouvre, hein, donc sur 2021-2027. Et si on donne plus de missions, on ne les finance pas par la diminution à la fois du budget de la cohésion et du budget de la PAC. La cohésion, pourquoi elle est essentielle et importante? Mais on ne peut pas aujourd'hui la diminuer de 10%. Parce qu'on veut, à travers ces politiques de la cohésion, fabriquer de la conscience du continent européen. Si on compare par rapport aux États-Unis, où ils ont à peu près 17% du PNB, c'est vrai qu'on est des nains en matière de gouvernance fédérale. Nous, notre rôle, ce sera, dans tous les cas, de dire ce que fait l'Europe sur ce territoire-là, de valoriser bien évidemment ce que fait l'Europe. L'Europe n'est pas exemplaire, loin de là, mais il n'empêche qu'elle permet justement de garder cette cohésion, de garder de la solidarité. Il faut qu'il y en ait encore plus de solidarité au niveau européen. Et puis c'est quand même aussi de rester dans une perspective de paix sur ce grand territoire. L'Europe, elle est inévitable et indispensable. Voilà. Donc c'est pas le plus ou moins d'Europe, c'est pas le référendum contre un tel ou un tel. C'est quelle Europe nous voulons finalement? C'est ça qui doit nous animer dans le débat.